Il n'a qu'un objectif en tête, participer un jour à des Jeux Olympiques. Vicharav est un ancien champion de roller de vitesse, discipline qui, hélas pour lui, n'a pas sa place au JO. Il s'est donc reconverti au patinage de vitesse et en 2008, il est venu s'installer à des milliers de kilomètres de la chaleur de son Inde natale. Je me suis dit que le patinage de vitesse était une discipline assez proche pour que je sois capable de changer et de poursuivre ce rêve. En Inde, nous n'avons pas d'infrastructure pour les sports d'hiver, donc il faut aller là où il y en a. Sa terre promise, c'est la Hollande, contrée du patinage de vitesse par excellence. Étudiant en ingénierie électrique, Vicharav a tout abandonné pour poursuivre son rêve olympique, ici, à Utrecht. Au début, son entourage était sceptique, mais sa détermination a fini par convaincre. Il faut être fou pour avoir un tel objectif. Mais je lui ai dit, si tu es fou, alors je peux t'aider, parce que je le suis aussi. Vicharav a même rêvé un temps de se qualifier pour les Jeux de Sochi, mais après seulement 18 mois d'entraînement, il reconnaît lui-même que le défi était trop ambitieux. Par rapport au minima olympique, il me manque 1 minute sur le 5000 mètres et 4 secondes sur le 500 mètres. 4 secondes. On a déjà progressé cette année d'une demi-minute sur les 5 km. On progresse en permanence. On a juste besoin de plus de temps pour progresser, progresser, progresser. Et vous verrez ce qu'il va se passer. L'Inde a déjà participé à des JO d'hiver, mais jamais en patinage de vitesse. Vicharav a bien l'intention de changer ça en se qualifiant pour les JO de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018.